Nous sommes vidéo 3 de la nuit, vendredi 28 mai 2017. 2017, qu'est-ce que je dis? Quel lapsus. 2021. Voilà, Philippe Stocker, informaticien, né le 4 avril 1962 à Strasbourg. C'était déjà un mercredi, jour du canard, quoi. Alors, un petit message à notre big sécurité routière, à nos inspecteurs. J'ai prévenu un inspecteur que les gendarmes de Benfeld ont la preuve matérielle. Depuis le lundi 18 novembre 2021. Qu'un employeur, une auto-école de Strasbourg, me doit 450 euros et m'a donc fait un faux certificat de travail. À ce jour, rien. Ça fait 6 mois. Et bien entendu, comme dans la maison qui rend fou, quand j'en informe un examinateur ou un inspecteur, c'est « Ah, on ne peut rien faire. Ah, allez ici, allez là-bas. » C'est l'administration française. Exactement comme dans les 12 travaux d'Astérix, la maison qui rend fou, on vous envoie d'un bureau à un autre bureau. Et avec le bordel qu'il y a dans ce pays, il ne faut pas s'étonner si on a tous ces politiques, comme le dit Philippe Pascot, 35% de notre élite politique a eu affaire avec la justice et le fisc, et ce n'est que la partie immergé de l'iceberg. Voilà. Alors, avant de vouloir parler, bien entendu, il faut respecter la fumée. Si, arrêtez de nous enfumer, c'est un jeu de mots canard enchaîné. Moi, je pars du principe que la vraie pollution, c'est pas une odeur de cigarette. La vraie pollution, c'est le bordel qu'on a foutu en Libye. On m'a envoyé le Charles de Gaulle étoile là-bas avec l'argent de nos impôts directs et indirects. Donc j'ai cotisé, moi, pour donc un intérêt non commun. L'intérêt, c'était celui de Nagui de Boxa, Nicolas Sarkozy, qui a fait envoyer le Charles de Gaulle étoile en Libye, comme le dit l'excellent reporter Fabrice Arfi. Donc, premier reporter du pôle enquête de chez Mediapart. À la télé, on a dit que l'aviation libyenne bombardait une ville comme Benghazi. Cette scène n'a jamais eu lieu. Donc, on a envoyé le Charles de Gaulle étoile supprimer Muammar al-Kadhafi, qui certes était un dictateur, mais s'il avait enfermé sa gueule, on vivait correctement. Aujourd'hui, on est les « boat people », tous les migrants. Les enfants morts sur les plages, pour moi, ça, c'est de la vraie pollution. Pas une cigarette. Dommage qu'il n'y ait pas la chanson de Jacques Higelin. Il me faut un docteur. Oh, docteur. Les psychiatres lointains. Les psychiatres lointains. N'oubliez pas, faites gaffe. Vendredi, c'est le jour. Des radars, levez les pieds, respectez la limitation de vitesse, comme ça, ils pourront les enlever. C'était un mafieux. End of.